Bienvenue sur le plateau de Morandini. Toute l'actu média, les scoops, les coulisses et les exclus, c'est tous les soirs sur Direct8 avec Jean-Marc Morandini. Bonsoir. Tout de suite, on accueille Rodolphe Delaboulée. Salut Rodolphe. Rodolphe Delaboulée pour parler du meilleur ou du pire des télés du monde entier. On va commencer avec des images qui ont ému la Grande-Bretagne. Et oui, alors là je resitue. Le 23 octobre dernier, un couple de plaisanciers britanniques voguait un petit peu sur l'océan Indien. C'était entre la Tanzanie et les Seychelles. Mais ils vont être capturés par en fait des pirates somaliens. Alors dans cette histoire, ça a beaucoup ému en Grande-Bretagne. Il n'y a pas eu de nouvelles pendant quelques temps. Et la semaine dernière, la chaîne BBC 4 a reçu une vidéo. On y voit la personne qui a été prise en otage lancer un message, un véritable message, un appel à l'aide. Et vous allez voir derrière des hommes en armes, regardez. We are also concerned that these people will lose patience and will not feed us. And I have no doubt that they will not hesitate to kill us, perhaps within a week or so of now, if there is no response. So please, somebody get in touch. Otherwise, we just sleepwalk to a tragic ending. Ouais, effectivement, c'est impressionnant. Impressionnant. On passe à un terrible fait d'hiver en Bolivie. C'est super gay, votre chronique aujourd'hui. Mais non, mais vous allez voir, ça va. Ouais. C'est un plaisir. C'est juste pour vous. Un chauffeur c'est de juste pour vous. Une prise d'otage, un terrible fait d'hiver en Bolivie. Remarquez, ça démystifie la maladie. C'est parlé aux femmes. Un chauffeur de taxi a été assassiné. Alors la télé bolivienne, tout de suite, sort les grands moyens et diffuse à l'antenne le portrait robot de l'assassin. En même temps, je suis pas sûr que ce portrait robot ait beaucoup aidé les policiers. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Eh bien non, regardez. Retrato hablado de quien habría cometido este crimen. Este es el retrato que tiene la policía de una persona que junto a otras se encontraban en este lugar. Una de las vecinas donde estaba el vehículo incendiado. Alors figurez-vous, je suis pas le seul à me moquer de ce truc-là. Figurez-vous, plusieurs jours après, on a retrouvé le fameux assassin et ça a amusé certains. Regardez. Estos dos sujetos fueron detenidos por efectivos del Escuadrón Norte, pues serían sindicados por dos testigos como los autores del asesinato de un taxista en la provincia de Ascope hace unos días. C'est lui, c'est exactement ça. C'est lui. On le connaît bien, c'est bien lui. On continue avec une devinette. Et oui, une devinette en guise de nouvelles tristes. Hein, effectivement, c'est pas Jojo. Figurez-vous que les heures d'un aspirateur très connu en Irlande sont comptées. D'un aspirateur. D'un aspirateur. Ça va pas mieux, vous. Attendez, vous qui aurait dû être absent pendant 5 jours. Pas Cécile. J'ai peut-être y pensé. Alors, les heures d'un aspirateur très connu en Irlande sont comptées, ouais. C'est ce que je disais effectivement. Alors, pourquoi? Eh bien, figurez-vous, ça va vous mettre sur la piste. Hein. Regardez la publicité de cet appareil. Meet Henry from Pneumatic International. Europe's favorite fast and friendly professional vacuum cleaner. So, what is it that makes Henry the industry favorite? Parce qu'il est rouge, parce qu'il est vieux, parce qu'il est gros. Il est nul en sport, mais vous, Cécile. Ah, en sport, c'est un rapport avec le sport. L'Irlande, Henri. Il s'appelle Henri. Il s'appelle Henri.